tous. Aujourd'hui, on se retrouve, comme vous avez pu me le demander beaucoup dans les commentaires, une vidéo setup. Donc, c'est parti. Mais avant de commencer cette vidéo, regardez cette magnifique vue de chez moi. Voilà. Et nous voilà enfin dans mon setup. Comme vous avez pu le voir, avec cette magnifique vue. Aujourd'hui on va faire la vidéo setup, donc c'est parti. Une vidéo qu'on m'avait beaucoup demandé, beaucoup réclamé dans les lives. Donc voilà. Alors comme vous pouvez le constater, c'est qu'il y a mon mur vert. Non, c'est pas un mur vert. Tout simplement c'est que c'est un fond vert. Voilà, c'est un fond vert qui coûte je sais plus, mais vous en avez vraiment à tous les prix. Il y en a sur Amazon, il y en a partout. Il suffit que vous tapez fond vert sur Google, voilà, et vous avez vraiment tous les prix, les tailles, les trépieds, parce que bien sûr il faut des trépieds, mais pas obligé. Vous pouvez l'accrocher à votre mur, vous pouvez vraiment faire comme vous le voulez suivant votre setup. Donc voilà, donc je vous le montre en grand, hop. Donc voilà, donc ça fait exactement en fait quand je suis en train de streamer ou d'enregistrer une vidéo. Voilà, ça fait tout simplement comme ça. Voilà. Nous avons mon petit setup tranquille. Alors bien sûr, on va pas se le cacher, les câbles, ça on est bien obligé à en avoir. Ouais, donc ça c'est un poster que j'ai ramené d'un concert reggae, voilà, que j'aime bien aussi. Là nous avons aussi Star Wars, voilà, mais vraiment je vais vraiment les enlever parce que bon, il faut que je refasse vraiment le tour de mon setup question mur, parce que c'est pas trop ce que je veux. Nous avons ça aussi, je sais pas si vous allez voir, qui est assez cool aussi. Hop. En fait c'est un drapeau de Bob Marley, mais enfin bref, on s'en fiche parce que c'est pas le sujet aujourd'hui. Alors voilà, donc là, qu'est-ce que c'est? C'est le fond vert qui est juste ici. Là, nous avons le fond vert. Et en fait, ça, c'est les softbox. Les softbox, qu'est-ce que c'est? C'est des lumières pour accrocher. C'est pour, en fait, faire de la lumière sur le fond vert pour après, une fois, l'incrustation. Donc là, si je veux faire une incrustation, hop, regardez. Hop. Là, si vous voulez, aller où? Allez, on va à la mer? Allez, on va à la mer. C'est parti. On va où? À Paris? Allez, on va à Paris. Voilà. En fait, ça sert à ça, tout simplement. Bon, là, ça, on s'en fout. Ouais, ça, c'est le truc à mouche parce que les mouches en campagne, c'est horrible. Je dédicace moi, tous ceux qui sont en campagne ou même les mouches quand ils viennent chez vous. C'est horrible. Là, nous avons... On va passer Pesky. L'écran. Donc là, mon logiciel de montage qui est ouvert justement pour faire votre le montage directement juste après. C'est un écran de chez Compact. Voilà, de chez Compact. Après la résolution, etc., je sais plus vraiment. Assez grand écran. Hop. Voilà. Il est assez grand. Le même, un autre écran de chez Acer. Après, je vous dis, je ne sais pas vraiment la référence, etc. Je ne sais pas vraiment les références. Derrière, enceinte Philips de chaque côté, de ce côté et de ce côté. Voilà. Là, nous avons. Alors, bien sûr, qu'est-ce que c'est ça? Ça. C'est un disque dur que je suis allé chercher ce matin parce que j'en ai vraiment vraiment besoin, parce que j'avais plus de place sur mon ordinateur. Et ça, pour tous ceux qui font des vidéos vraiment tout le temps comme moi, etc., et qui se lancent dans l'aventure YouTube, ben, vous comprendrez ce que je dis. Donc du coup, c'est 1 Tera qui est en dessous avec ma tour. Ça, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est un routeur. Donc je vais essayer de l'installer correctement. Hop, pour vous montrer. Là, je sais pas si là ça va tenir. C'est un routeur NetDuma. Alors le NetDuma, je l'ai vu chez Gotaga. Alors bien sûr, je ne recopie pas. C'est juste que en fait j'ai trouvé ça assez cool. Le routeur, ça sert à avoir une meilleure connexion. Je suis un peu pincé, je pense. Ouais, là. Ça sert à avoir une meilleure condition. Une meilleure condition déjà pour jouer.
Mais je ne l'ai pas installé. Alors je l'ai installé une seule fois et puis ça ne marchait pas. Donc voilà, il faut vraiment que je le rebranche, etc. pour vérifier, pour revoir si ça marche. Mais soi-disant ça fait fait. Alors ça c'est américain et c'est pas français. Alors quand j'ai cherché des tutos, bien évidemment c'était que américain. Et la seule personne qui expliquait en français, c'est Gotaga et Tonio. Voilà. Et Tonio 25 ou je sais plus, Tonio, un truc comme ça. Hop, je le mets là. Alors ça, on va passer ici. Là. Qu'est-ce que c'est? C'est mon ancien téléphone. Voilà. Il n'y a vraiment plus rien. Hop, je sais pas si vous allez voir. Voilà, c'est fait. Bref, ce téléphone, je l'ai gardé parce que je compte pas faire le, je comptais pas le faire, mais finalement, je pense que je vais faire. Je vais installer, comme vous savez, j'ai un drone et je vais installer l'application comme là-dessus, comme ça, j'aurai pas, exemple, si mon iPhone, parce que bien sûr, mon iPhone, voilà, d'ailleurs, Cyriel qui me suit, donc une abonnée que je connais très bien. Alors du coup, oui, je disais un peu de les iPhones, si vous savez pas, mais les iPhones, ça, la batterie, voilà, c'est, on va pas dire c'est de la merde, mais bah si, non mais voilà, ça tient pas beaucoup le ça tient pas beaucoup la batterie, et du coup quand j'utilise mon DJI, je préfère avoir la batterie directement parce que celle-là encore elle tient vraiment. Donc ça, ce téléphone, c'est un Samsung Galaxy Grand Prime, et mon iPhone, c'est l'iPhone 5S. Voilà, mon iPhone 5S d'ailleurs qui est en train de recharger. Donc je sais pas si vous voyez les LED bleus, mais en fait je vous explique vite fait. Hop, vous voyez, voilà, il est là. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est? En fait c'est une coque rechargeable, parce que je dis connaissant les iPhones, parce que j'avais avant un iPhone. Voilà, il s'est connecté à l'ordinateur. En fait ce que les iPhones, en fait ça tient pas la batterie. Donc du coup je me suis dit, comme j'avais le 4S, et je dis tiens, je vais pas faire la même erreur, je vais acheter une coque, une coque qui protège le derrière, et une coque rechargeable. Alors bien sûr je l'ai payé je sais plus combien, mais voilà. Donc des fois, c'est des fois quand le soir, quand je suis pas chez moi, que j'ai pas mon chargeur et que je peux pas le brancher, ben boum, j'appuie sur ce bouton et je sais pas si vous allez le voir, et là il y a les LED bleues, vous voyez, hop, il s'allume. Je sais pas si vous allez le voir, mais en fait il se recharge. Donc ça c'est cool. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, on va continuer tout ce qui est gaming. Enfin, quoi qu'on va faire PC, qui est un peu plus long. Après gaming, on finira tranquillement. Alors, hop, là, c'est un clavier de chez Packard Bell. Le clavier basique. Alors, j'avais une tour Packard Bell que j'avais eu à ma tour de base. Voilà, une tour que j'ai débuté. Toute petite tour. Qui n'avait pas de qualité, rien du tout, mais qui tenait encore le choc, et c'est pour ça que j'ai fait monter un PC. Là, on passe au grand tapis. Donc, le grand tapis, c'est un Quick Live. Voilà, Quick Live. Oula, poussière, j'ai oublié de la faire. Bon, faudra la faire. Donc, voilà, c'est un tapis assez grand. Je sais pas les dimensions. En fait, mon setup, en fait, si vous voulez, je vous explique. Je sais vraiment pas les trucs, je sais pas où c'est. Mais je vous promets que dans mon prochain setup, donc c'est-à-dire dans un petit moment, parce que là je préfère encore acheter, j'ai besoin de plein de choses et beaucoup plein de choses, d'écrans, enfin de nouveaux écrans, c'est ce que pour mon appartement, enfin quand j'aurai mon appartement quoi, une souris, hop, une souris, voilà, de chez, oh là. Attendez, parce que je suis en train d'ouvrir des fichiers de chez Motospeed. Hop, on va mettre là. Je sais pas si vous voyez Motospeed Focus. On va faire le focus. Voilà, Motospeed. Alors bien sûr, j'ai eu le clavier avec, mais le clavier, en fait, c'est chinois. Donc du coup, je savais vraiment pas trop comment le gérer, ce clavier. C'était un peu galère. Donc j'ai dit, je vais pas m'embêter, j'achèterai un clavier français et je changerai ce clavier. Donc voilà, dans mon prochain setup ou plus tard. J'aimerais vraiment d'autres claviers, surtout pour l'instant, clavier encore, tu vois, c'est pas le truc que j'aimerais le plus avoir.
C'est le sac pour le drone que je vous ai expliqué d'ailleurs dans la dernière vidéo du Rode. Donc voilà, donc ça fait partie du setup. Là c'est le Rode qui m'enregistre juste en haut, donc c'est le Rode Vidéo Mico. Donc pour ça, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo, à la commenter, à me dire ce que vous en pensez, à me lancer des défis, parce que je vous ai demandé à me lancer des défis, jouer debout, avec des lunettes de soleil, etc. Certains m'en ont posé, donc voilà, donc la vidéo sortira juste après cette vidéo. Et du coup, voilà, vous n'hésitez pas à aller voir la vidéo, n'hésitez pas aussi d'aller voir la vidéo drone, qui est un petit moment déjà, vraiment, ça fait un petit moment, quoi. Ça va faire quoi? Ouais, ça va faire un petit moment. On va passer, on est passé, je vous ai montré les écrans, je crois, je vous ai montré les enceintes, non, je vais vous montrer les enceintes. Je vais refaire un petit tour, donc voilà, donc là mon écran. Donc là vous allez me demander quel logiciel j'utilise, parce qu'on me le demande assez souvent. J'utilise le logiciel Adobe Premiere Pro, mais j'utilise Kraken. Oui, j'ai réussi à le craquer, je sais pas comment j'ai fait. Mais vraiment, si on monte, vraiment on monte sans abonner, je pense que je vais finir par tout supprimer, les applications, tout ce qui est montage, etc. Et je vais vraiment, vraiment me l'acheter avec tout dessus. Que ce soit Photoshop, Lightroom. Alors Lightroom, c'est un logiciel de photo en fait, pour retouche photo. Et ça m'intéresserait vraiment pour Instagram. Parce que n'hésitez pas à me suivre aussi d'ailleurs sur mon Instagram, qui s'affiche juste ici. Voilà. J'aimerais vraiment le payer, comme ça au moins je sais que j'ai pas de virus, etc. Parce que là je pense que j'ai plein de virus. Enfin, faut que je refasse en fait des mises à jour, etc. Et faut vraiment que je refasse une grosse mise à jour, quoi. Parce que à force de télécharger, je pense que vous comprenez vous-même, il y a plein de trucs qui s'installent, des bébêtes quoi, qui s'installent dans votre ordinateur, et puis voilà, ça les bloque, ça bloque des trucs, que ce soit n'importe quoi, quoi. Donc voilà, donc je pense que si on continue à monter, on va monter de toute façon, je m'achèterai les logiciels qu'il me faut, donc de Adobe, donc Premiere Pro, Lightroom et Photoshop. Je pense que c'est ce que je vais prendre, Photoshop, ouais, je pense que je vais le prendre. Mais bon, pour l'instant je ne les ai pas, mais pour l'instant je vais craquer que Premiere Pro et Sony Vegas. Mais Sony Vegas, j'utilisais vraiment vraiment au début. Donc je refais un tour, donc je vous ai dit les écrans, les baffes Philips. Donc là il y en a une, deux, et en bas vous avez le caisson de basse. Alors vous allez me demander pourquoi il y a un ventilo. Tout simplement c'est que avec l'ordinateur et tout ça, il fait vraiment vraiment chaud quand on tourne une vidéo, ou même quand je joue comme ça, il fait vraiment chaud. Donc, du coup, voilà pourquoi même le trépied, je crois qu'il faudra que j'achète un autre le petit là, parce qu'il tient pratiquement plus. Qu'est-ce qu'on a oublié? PC, je crois que c'est bon. Ah oui, la caméra. Mais bon, la caméra, je pense que on s'en fiche un petit peu de celle-là parce que c'est une basique. Mais bon, je vais vous la montrer parce que c'est une vidéo setup. Alors c'est une Hercule, voilà, une Hercule. Hercule, comme le personnage du dessin animé qui s'affichera ici. Voilà. Alors là, il y a mes lunettes de soleil. Voilà, si vous voulez savoir, la marque, je ne sais pas. Les lunettes de vue, donc de basique de magasin que j'ai acheté. Donc ça fait très bien l'affaire. On passe, hop, au gaming. Alors bien sûr, qu'est-ce que j'ai comme gaming? J'ai une télé. Voilà, j'ai une télé. J'ai une télé. Aya. Aïe 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 aïe. Voilà, une télé Aya. Voilà, vous l'avez assez bien. Avec la PS4 et qui est ici, la manette pour allumer la télé, la PS4 qui est allumée. Donc voilà, je l'ai Black Ops 3 allumé normalement, ou je l'ai fermé. Non, je l'avais fermé, mais bon. Mon casque. Alors bien sûr, ce fameux casque que vous voyez dans tous les lives. Oui. Mon casque tout pété. Voilà, donc je ne sais pas comment j'ai fait pour le péter. J'ai fait vraiment attention, le micro est cassé, mais il marche encore. Donc si des personnes qui vendent des casques,
Si vous voyez cette vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer vos casques. Je les accueillerai avec grand plaisir. Après, bon, la manette. Ici, la manette de PS4 basique. Un téléphone fixe en cas qu'on m'appelle et que je suis en train de jouer. Vraiment en cas où... Voilà, pour ma famille. Les jeux. Alors vraiment, les jeux, c'est pas ce que j'ai le plus. J'en ai pas beaucoup. J'ai... Hop, j'ai Battlefield. Voilà. Si vous voulez me lancer les défis, voilà. Battlefield 1. Rainbow Six Siege. Alors toujours sur PS4, j'ai que la PS4. BF4. Hop. Infinite Warfare. Alors bien sûr. Et Modern Warfare Remasterized, donc Call of Duty. Que j'ai pas trop accroché dessus. J'y joue de temps en temps, mais rarement. Parce que j'y joue pas des masses. J'ai pas accroché. Tout simplement, j'ai vraiment pas accroché. Et Black Ops 3 que j'ai vraiment accroché. Donc si je vais vous montrer. Hop. Voilà. Donc voilà, donc les jeux, j'en ai vraiment pas beaucoup. Black Ops 3, j'ai vraiment accroché dessus. Là, comme vous avez pu le voir, il me tarde vraiment le prochain Call of Duty. Il a l'air assez cool. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Et par rapport au gameplay, donc comment vont être les gameplays. Alors bien sûr, c'est qu'une vidéo pour l'instant, mais voilà, on attend la sortie, on attend la bêta. Donc la bêta, n'hésitez pas à rester présent sur ma chaîne, activer la cloche de notification parce que la bêta, je compte vous la faire. Donc ça s'appellera le Call of Duty World War 2, donc Call of Duty sur la Seconde Guerre mondiale. On va passer, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Hop, voilà, c'est un PC monté. Hop, je sais pas, voilà. Un PC monté, donc bien sûr les câbles il en faut, sinon pas de setup. Un PC monté d'ailleurs que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Alors qu'il y a, c'est cool avec les LED, les LED rouges. Hop. Et si j'ouvre, là nous avons le lecteur CD. Je sais pas si vous allez vraiment le voir, mais ici là, là où il y a mon doigt, voilà, il y a le lecteur CD, mais j'utilise pas vraiment. Voilà. Ça, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est un port. Les déports pour mettre les cartes SD, voilà les cartes, vraiment les mini cartes, mini cartes SD, tout ce qui est cartes SD, le disque dur comme vous pouvez le voir, un disque dur de 1 Tera qu'il me faut vraiment parce que sinon je l'ai acheté ce matin, ça aussi, j'ai vraiment acheté ce matin parce que ça fait un petit moment que j'en parlais et qu'il me fallait un disque dur sinon. Ben, les vidéos stock et ça me prend extrêmement de la place. Au fond, nous avons, je sais pas si vous voyez, voilà, on va zoomer. Là, nous avons ma Livebox et l'Avermedia avec quoi j'enregistre, avec ça que j'enregistre. La Livebox, tout simplement une Livebox basique de chez Orange. Après, qu'est-ce que nous avons? Alors, ça, c'est encore le carton de chez Thomann. Alors que j'ai oublié du micro. Pour vous montrer d'ailleurs le micro, hop, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo en entière, je vous montre juste le boire, le carton, voilà comment il est, hop, il est ici, voilà, c'est ce fameux micro, hop, voilà, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, donc ça, il faudrait que je jette le carton. Donc là, on va passer, parce que vous demandez, derrière mon fond vert, qu'est-ce qu'il y a? Alors derrière, ah oui, j'ai oublié de vous montrer mon petit pull. Hop, on va essayer de le mettre assez bien. Voilà, que vous voyez. Mon petit pull YouTubeur, voilà. Avec mon pseudo de devant. Hop. Hop là. Voilà, je vous mets vraiment assez cool. Qui est assez cool. Avec en blanc, style YouTube en fait. Les couleurs de YouTube. Et ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, les amis? C'est pour que vous mettez un maximum de pouces bleus. Oui, mettez un maximum de pouces bleus. Explosez-moi la barre des likes sur cette vidéo. Une chaise basique de gaming. Voilà, tout simplement. Hop. Qui tient le coup. Hop, voilà. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est pour le dos. Ça, c'est ma grand-mère qui me l'a fait, donc merci vraiment parce que ça m'aide vraiment. Ça fait, parce que quand vous restez vraiment des heures à faire du gaming,
C'est utile, voilà, c'est utile. Hein. Mais sur d'autres chaises, donc j'aimerais bien une DX Razer. Vous allez voir les styles de DX Razer ou les DX Razer tout simple. Vous avez la tête et vous avez la mousse de derrière en fait pour le dos. Donc, on va passer maintenant à derrière. Alors on passe à derrière ici. Alors qu'est-ce que nous... Je sais pas si vous voyez vraiment parce que je suis dans l'ombre. Ah, quoique, non, ça va. Quoique, ça va, ça va. Et si je me tourne là comme ça, oui. En fait, c'est mon petit espace voyage. Voilà, on va l'appeler comme ça. C'est un petit espace voyage où j'ai un petit peu ce qu'il me faut pour le voyage. Enfin, quand je transporte mes affaires, vlog, voilà, tout simplement. Donc là, j'utilise... Alors, il y a mon sac ici. Mon sac de l'ordinateur, le sac du drone, donc ma sacoche pour mettre l'appareil photo, donc reflex. Et d'ailleurs le micro ça va être un peu chiant parce que je ne sais pas encore comment je vais le faire, mais je vais essayer de trouver un moyen. L'ordinateur que j'utilise pour faire les montages, donc c'est un Lenovo, donc voilà, qui fait assez bien les montages, mais pour l'instant je garde celui-là et peut-être plus tard je me prendrai un PC gaming pour faire les montages ou alors un PC Apple. Là on passe à l'espace où je range tout simplement mes trucs de vlog. Alors là nous avons la manette, là ici la DJI dans le petit sac, nous avons les hélices de rechange et les hélices que j'utilise. Là une GoPro que je n'ai pas encore rendue à un pote à moi. Il faut que je lui rende et que ça fait un petit moment que je l'ai, mais bon, il sait que c'est moi qui l'ai, donc tant mieux. Je préfère qu'il sache que c'est moi que voilà. Donc du coup, et comme je l'ai récupéré, en fait, ça fait un petit moment que je l'ai. Je lui dis, ben tu sais quoi, je vais prendre une GoPro, enfin une style de GoPro, voilà, qui est ici. C'est une quick live qui est ici parce que je dis si je dois lui rendre, voilà, pour pas qu'il soit embêté. Alors du coup, moi, j'en ai acheté une autre, voilà, pour moi. Et qu'est-ce que c'est ça, cette arnée-là? C'est pour mettre ici. C'est pour mettre comme ça. Voilà, c'est pour mettre comme ça. Hop. Comme ça, quand vous faites des sports extrêmes ou vélo, etc., ben, ça, c'est cool. Le Lumix, alors que je devais utiliser vraiment pour faire mes vlogs tout début. Hop, j'essaie de vous le prendre. Voilà, c'est un Lumix DMC Z10. Donc je vais vous montrer le réflexe. Est-ce qu'il va être allumé? On va se mettre plutôt. Hop. Voilà. Je sais pas si vous allez le voir. Non, je pense pas que vous allez le voir. Mais voilà, c'est un Lumix DM. Hop. On l'éteint. C'est le Panasonic Focus, il veut pas. Je crois qu'il veut pas. DMC SZ10, mais que j'utilise pas. Voilà. Alors voilà, vous allez me demander pourquoi je l'utilise pas. C'est qu'en fait, j'utilise pas tout simplement parce que, en fait, quand j'enregistre, si vous voulez, j'enregistre en FPV, je sais plus quoi, je sais plus qu'est-ce que c'est cette référence. Le drone, voilà, le drone. Je vais vous montrer avant qu'on finisse cette vidéo. Le drone DJI Phantom 3. Donc la vidéo est sortie il y a un petit moment. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Qu'est-ce que je vous disais? Je sais plus. Oui, que j'utilise pas cet appareil photo tout simplement parce que... Hop, on va le poser ici. Voilà. En fait, j'utilise pas cet appareil photo parce qu'il génère pas le paramétré en MP4. Mais bon, tant pis, maintenant j'ai mon réflexe et je pense que je vais le revendre et puis pour prendre peut-être un nouveau trépied parce que celui-là il commence à faire sa fin au niveau de la tête. Alors, bien sûr, vous allez me dire que tu peux changer la tête, mais bon, voilà, c'est pas un trépied français, du coup, je trouve pas les têtes. J'ai déjà cherché et je ne trouve pas. Voilà, donc je crois que j'ai rien oublié. J'ai réfléchi. Le clavier c'est bon, je vous l'ai montré. La tour c'est bon, le PC c'est bon. Voilà, ben, je crois qu'en fait j'ai tout mis dans cette vidéo. Donc j'espère vraiment, vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions
par rapport à un objet ou même sans savoir sur de mon setup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, je vous y répondrai, il n'y aura pas de soucis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, non, je crois que c'est tout. Non, parce que je suis en train de calculer en même temps pour rien oublier. Et les enceintes, c'est bon, ouais, j'ai tout fait. Voilà, donc fin de cette vidéo. Commentez-moi cette vidéo. Commentez-la, vraiment, vraiment, je compte sur vous. Et surtout, mettre un maximum de pouces bleus. Et si toi, devant ton écran, tu es nouveau et que tu es tombé sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner pour me découvrir et activer la cloche de notification. Parce que c'est très très important. Voilà. Donc je vous laisse sur cette fin de vidéo. Et on se retrouve pour la prochaine. Bonne soirée. Alors je sais pas quand cette vidéo va sortir. Mais je vous souhaite une très très bonne soirée. Très bonne journée. Ou très bon après-midi. Voilà, tout simple. Allez, on se retrouve à la prochaine. Ciao.